Je m'appelle Shane Carpenter. Je suis né dans un monde en guerre. Un monde qui ne s'assagira que si quelqu'un prend les choses en main. Je suis né en 2023. Ça va, mon vieux? Vous avez une mine superbe. J'adore être entouré de sourires. La journée s'annonce bonne. Aujourd'hui, on est de garde sur le toit du monde. La vue là-haut est à couper le souffle, paraît-il. Allez, mec! On est en retard! Plus en retard que je sais pas quoi, mais on est grave à la bourre! Chef, est-ce que le voyage s'est bien passé? Il était claqué hier soir. On va vous remettre en forme et prêt à repartir, mon vieux. Vous en faites pas. Merci, chef. Chef? Écoutez, on est sergents tous les deux. Contentez-vous de m'appeler par mon nom. Je m'appelle Morgan Duval. Lui, c'est le caporal Péchy. Salut, chef. Première classe, tir. Bonjour, chef. Et celui-là, on l'appelle fil de fer. Ce rapport à ce que je suis tout maigre? Comme un fil de fer, chef. Votre sac glisse, chef. Je vais vous aider. Vous êtes sur Mental 102. Si vous avez aimé le dernier morceau, vous allez adorer le prochain. On tient à vous dire qu'on est de tout cœur avec vous, les gars, et on espère vraiment vous voir bientôt revenir de la région de Boa. C'est pas joli ce qui se passe ici à Boa. Du nettoyage ethnique, de la torture. C'est moche. C'est moche. On va y mettre un terme. Debout, les gars. C'est l'heure d'y retourner. Ça, c'est mieux qu'un café et qu'une tarte dans la gueule. Je me sens libéré de l'autochtone, moi. Putain, ouais! Boum! Usage. Les gars. Hey, sergent Carpenter, comment ça va? Mes hommes et moi, on vous accompagne aujourd'hui. Il y aura moi, avec Gilroy, et enfin, Wood. Hollywood? Caporal Wood, chef. J'ai déjà eu droit à toutes ces blagues. On est prêt à partir, chef. On est en poste à l'observatoire aujourd'hui. C'est pour nous! On fonce! Il faut aller sur le lieu du crash et récupérer les pilotes! Et la cargaison de nectar! Tout le monde! En selle, on y va! On y va tous ensemble, les gars! Faites-moi voir vos yeux, soldats! Vous avez eu votre injection? Je me sens bien. Ah, le petit salopard! Vous voulez tous nous faire crever? Je me sens bien. Morgan, je pense que ça va. Vous allez bien? Ouais, ça va. Regarde-moi. Ça ne va pas. Tu ne tiens pas avec nous. Tu ne participes pas à la mission. Va poser ton cul sur ta couchette. Je m'occuperai de toi à mon retour. Pauvre con. En avant! Heureusement que je vous couvre, Carpenter. Faut jamais prendre de risques sur le terrain. Croyez-moi. Droit sur la cible! Boom!
gaffe aujourd'hui! Quoi? C'est pas de la bière? Pas de poison dans mon équipe! Chef! Messieurs, nous allons sauver des cœurs et des âmes et libérer ce pays oublié du Seigneur. Puisque c'est ça, à nous de faire le ménage pour lui. Au cœur et aux âmes. Oh ouais! Au cœur et aux âmes. Boum! On arrive. Écoutez, vieux, vous savez ce que c'est. J'ai pas envie de gueuler pour le plaisir, mais pour protéger mes hommes et qu'on puisse bosser. Je vous protège aussi. Et j'espère qu'on fêtera Noël ensemble et qu'on sera fiers de ce qu'on fait pour ce pays. Ok. Phase 1, ici 555. Un de mes hommes est resté en arrière. Il n'a pas pris son hectare. Merci de vous occuper de lui. Regardez! Posez-nous, on ira à pied. C'est à moi qui parlais. Posez-nous. Joli coup. Ouais, très joli. En avant. On suit la route. On se revoit sur le lieu du crash, mon pote. Attention, mon pote. Selon les données satellites, de nombreux rebelles... Base, ici 555. J'ai de multiples contacts hostiles. Lancez une frappe sur l'ensemble du bassin à 80 mètres au nord de ma position. Maintenant! Bien sûr, cible 5, la frappe est lancée. Faites gaffe, bien. Ok, Carpenter, passez par la forêt. On se retrouve de l'autre côté. Hé, hey, Carpenter, ce sera carrément plus simple avec une bonne dose de nectar dans les veines. Soyez pas timide, voyons. Thank you.
Je vais les éliminer. Ah, hey, bon, sergent. Ce sera carrément plus simple avec une bonne dose de nectar dans les veines. Soyez pas timide, voyons. J'arrive. Vous pensez que le pilote peut tenir jusqu'à notre arrivée dans la zone de crash? Si j'étais vous, je me ferais du souci pour le cargo. Dans tous les cas, faut qu'on accélère la cadence. Bien reçu. De l'aviation. Youhou! Ouais, imaginez un peu leur tête lorsqu'ils ont pris les bombes, ils ont dû chialer leur nerf. Ouais, juste avant que leur nerf soit au-dessus de toi. Morgan! Duval! Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Tout le monde va bien? Tout va bien! Sûr? Ouais! Pourquoi? Qui crie? C'est juste un animal! Juste un animal! Ouais, j'ai entendu! On est encore loin du site? Pas trop! En route! On se verra là-bas! Et on pourra enfin bouffer! Salut, sergent! On dirait qu'il vous reste une place.
montrer qu'on n'est pas là pour rigoler. Écoutez les gars, je crois bien que c'est le dernier. Pour l'instant en tout cas. Bien reçu, sergent. Apparemment, vous leur avez mis la pâtée. Mais ils nous ont pris notre nectar. Alors quel intérêt? Ils se sont barrés avec le nectar. Avant qu'on s'occupe d'eux, allez voir comment va le pilote. Je suis là. Je suis là. Vous êtes blessé? Regardez-moi. Vous me voyez? Oui. Oui, je vous vois. Vous savez ce que je faisais avant de m'engager? C'est pas très important, on en reparlera plus tard. J'étais boxeur, semi-pro. Il y a un petit coup pour la route. Injection. Partons. Allons-y. Mon pote, on les a allumés comme un rien. Ici 4-5-1, demandant évacuation immédiate. Bien reçu, 4-5-1. Arrivé dans 4 minutes. Protégez la zone pour l'atterrissage. Usage. Ok les gars, on nettoie la zone. Nettoyer la zone? Ça me paraît déjà propre, non? Ah, ouais! Alors, on flippe un peu, mec! Bah, les ennemis! Éliminez-les! Thank you.
saisi la pompe. Que de piquer un biberon à un bébé! J'ai mis la dose! Pan! 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 Ouais! Et tout ça avec un type en moins! Putain, il va m'entendre tirer en rentrant! Ouais! Ça va cogner! J'ai des super photos, chef! Des œuvres d'art! Je vais les mettre sur le site! Vous avez vu le pilote? Quand je pense que ces salaras ont pris notre nectar! Hey, est-ce que vous avez vu le pilote? Il avait l'air en forme. Vous avez entendu, mon vieux. Je vais vous poser une question. Vous êtes sur le terrain avec deux hommes blessés. Si vous les laissez, ils meurent. Mais vous pourriez en sauver un seul sur les deux. Alors vous faites quoi? Vous en sauvez un, non? Bien sûr. Priorité oblige. Mais là, vous me parlez d'un truc qui n'a rien de prioritaire. Du coup, non, je n'ai pas regardé. On est venu ici pour récupérer le nectar. Mais ces salopards, ces enfoirés se sont barrés avec notre nectar. Et il faut qu'on venge ça. Leur heure viendra. Photo en place. On a quoi à dîner? Comme hier, de la chure de castor et du jus de gras. Je comprends mieux ton haleine, mec. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que quelqu'un a balancé une grenade sur le pont. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop, chef. Tout le monde était descendu. On attendait les ordres. Gabriel Merino, dit l'écorcheur, a exprimé sa colère devant la défaite dans une lettre qu'il nous a envoyée. Mais bordel! Pourquoi est-ce que le général dit pas à l'écorcheur d'aller se faire foutre? Pas la peine. Le général nous a envoyé nous. C'est nous son message. Ouais, mais j'aimerais bien l'entendre lui dire: allez vous faire foutre, l'écorcheur! Ouais! Ouais! Attendez qu'on lui mette la main dessus! Ah, c'est normal! Va lui montrer ce qu'on pense! Des écorcheurs! Des cannibales! Ouais! Retournez aux navettes pour décollage immédiat. Escadron 441 à 676. C'est nous! De travailler par ici. Main dans la main. Deux grandes nations, unies par le cœur et la pensée. Où est-ce qu'on va? Le sujet capte un message signalant des rebelles sur la poche sud de Campo. Peut-être un signal de détresse. De détresse? Pourquoi envoyer des hommes en armes alors?
On nettoie la zone. Le reste ne nous concerne pas. Qui a envoyé le signal? Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, vous faites quoi là? Changement de programme. La surveillance a repéré l'écorcheur dans une usine de cuivre au nord-est. Je vais vous déposer au sud de la zone. Trouvez-le et emparez-vous de lui. On s'empare de ce salaud! Je veux surtout pas toucher à son manteau! Ouais, ça pourrait vous donner des frissons, Péchy! Vous traitez de Tarlous? N'insultez pas, chef! Injection. Yeah! Souvenez-vous de ce que j'ai dit sur les priorités, mon vieux. Bah quoi? Vous tenez à qui? Une femme? Votre maman? Mes parents, oui. Vous détestez quelqu'un? Quel est le rapport? Toutes les émotions que vous ressentez, telles que l'amour, la haine, la joie, la misère, toutes les émotions, ne sont qu'une suite de réactions chimiques et d'impulsions électriques dans votre cerveau. Rien de plus. Alors quand vous vous battiez dans la cour de l'école pour les yeux d'une fille, ou quelque autre raison, ce n'était pas dans un dessein sacré. Vous ne faisiez que répondre aux stimuli chimiques qui se déchaînaient dans votre crâne. Rien de plus. Vous êtes un singe, un primate, et vous faites ce que vos hormones vous ordonnent. Quand vous aurez accepté cela, vous apprendrez à mieux vous contrôler. Et à faire la part des choses. Voilà. Et vous ne donnerez plus de priorité aux choses que vous ressentez instinctivement. Vous vous baserez simplement sur les faits. Si vous avez deux blessés, sauvez celui qui a le plus gros flingue, pas celui que vous préférez. Tout ça pour dire qu'en sortant de ce taxi, pensez à vous accrocher à la réalité. Ne soyez pas comme eux. Un primate. Chef, vous n'allez pas le croire. L'écorcheur est là-bas. On sait bien qu'il est dans le coin, idiot. C'est bon, non, chef. Il est là. Il sent les ordinateurs sur moi. Je me pose tout de suite. Non, je cherche des soucis. Le voilà. Il est ici. Bon. L'écorcheur. Je vais les aider. Ils font des balles. Suivre la route en spirale.